Yo tout le monde, c'est Kidra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Ark et vous l'avez lu dans le titre, mais pour Godzilla, il est là, il est dispo pépère, ça y est, il est là. Donc du coup on va tester ça, je ne l'ai pas invoqué, j'ai rien fait. On va le tester ensemble les copains, parce que c'est ça, voilà, c'est ça, le soutien. Donc, pour répondre vite fait aux questions, vous avez été nombreux à me dire, enfin nombreux non, 2-3 à me dire, Kiki pourquoi t'as ton bonnet? Parce que j'aime bien, voilà c'est tout simple, c'est aussi simple que ça, voilà c'est la semaine du bonnet. Donc cette semaine je garde mon bonnet, la semaine prochaine on verra. Donc du coup alors, on va parler de Godzilla. Donc Godzilla c'était fait par un mec dingue, d'ailleurs un mec totalement dingue, qui a modélisé comme un fou, je sais plus combien de temps ça lui a mis le projet, il a modélisé mais de A à Z hein, le mec, hein, la bestiole. Donc on va l'invoquer ensemble, on va voir ce qu'elle donne. Et ça va roxer. Donc déjà, bah voilà, le mec qui l'a créé, donc c'est Pepezilla. Et voilà, regardez ce qu'il a créé, le truc de fou. Regardez-moi cette hauteur, le truc de malade. Regardez-moi ça. Donc du coup, je m'approche de ça, vous allez me dire pourquoi tu nous montres ça, machin, machin. Donc en fait, j'ai invoqué certaines choses pour vous montrer. Donc quand on ouvre du coup nos engrammes, on peut retrouver ici les nouveaux engrammes concernant Godzilla. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme vous pouvez voir ici, c'est vide, il n'y a rien et on ne peut pas les débloquer. Donc vous allez dire, Kiki, comment on fait pour les débloquer? Donc du coup, en fait, il va falloir tuer Godzilla pour débloquer ces engrammes. Si c'est un petit peu comme le système du tech où on doit tuer les boss pour accéder au schéma. Donc c'est là, voilà, c'est ici que tout va se faire. Donc, mais par contre, il a un peu pété le truc parce que... Ah mince, attendez. Il a un peu pété parce que je l'ai grave mis en hauteur. Non mais attendez, je fais des bêtises. Pour invoquer Godzilla, il va falloir créer une nuke bombe. Alors là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai bidouillé. Mais quand je passe ma souris maintenant, je ne vois plus les informations. Genre, il faut tant de choses, tant de choses, tant de choses. Mais en gros, toutes ces choses sont ici, se trouvent ici. Donc c'est tout ce qu'on a débloqué en engramme. Et je crois que... Alors attendez. Ah, je sais plus c'est lequel, mais il y en a un. En gros, il va falloir le faire fondre. Bim. Ici. Voilà, donc faut mettre ici dans la forge, en fait, qui est fournie dans le schéma. Faut mettre ici, ça va fondre. Mais tout est possible. Mais tout est possible. Donc, ensuite, on va pouvoir faire la nuke bombe. Là, on va invoquer papa. Ah, là, ça va être beau. Hein. Ça va être très, très beau. Et, je sais pas, est-ce qu'on kill pour... est-ce qu'on fait un cheat kill pour bah, débloquer les engrammes, ou vous en avez rien à foutre, on parle de ça un autre jour, et on teste carrément la bait. Je ne sais pas. Donc du coup, on va carrément tester madame, hein, ou monsieur, on ne sait pas. J'ai trop hâte et j'ai trop peur à la fois. Il va me déglingue. Ça va être un truc de fou. J'ai envie d'enlever mon casque parce qu'il y a un bug. Ah oui, je tiens à vous préciser un truc très important. Quand je veux l'invoquer... Baissez le son, je ne sais pas si c'est là ou pas. Baissez le son sans déconner. Parce qu'en fait il y a un bug audio avec la créature. Et le son il vous perce les tympans. Sans déconner, c'est pas des conneries, loulou. Je sais que quand on est dessus, il y a quelque chose qu'on va faire. Et ça je vais vous le montrer. Il faut vraiment baisser le son, mais je sais pas si quand on l'invoque elle va faire le bruit en question. Il y a un bug sonore, baissez le son par pitié. S'il vous plaît baissez le son, j'ai pas envie que vous fassiez mal. Moi perso je vais faire sauter un côté. Parce que si ça fait vraiment le bruit que je pense, on est mort. Donc du coup, j'ai préparé, voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On fait un niveau 1 déjà pour commencer et on le cheat kill au pire. On fait ça les loulous? Bon, allez, on l'invoque. 1, 2, 3. Man! Putain, mon gars! Attends. On va le tuer volontairement. Il se barre, le salaud. Attendez. C'est... Attendez! Reviens! Ok, ça va. Non, ça va. Le son est pas très fort. Vous voyez, regardez, techgramme déverrouillé, techgramme déverrouillé. C'est quoi cette position? On dit, qu'est-ce que c'est que cette position? Yo, 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 youpi, yo. C'est quoi cette position, mon ami? Je suis ici ce soir. Excellent! En tout cas, il est super beau. Bon, on va aller vite se diriger là-dessus. On va regarder. Et puis là, c'est parti. Après, j'ai envie de vous dire, les copains. Alors. Tac. Ah bah oui, ça y est. Alors, attendez. Je vais juste regarder un truc. Oh, j'ai tellement du mal avec ces nouvelles interfaces. Je vous jure, c'est un truc de malade. Et oui, effectivement, ça y est, c'est débloqué. Donc, c'est ce que moi, je m'étais give. Donc, on a débloqué, ça y est, la selle de Godzilla Ark pour pouvoir le monter et se faire uniquement dans Godzilla Ark Obelix. Ouh, yeah. Stylé. Donc, du coup, on va invoquer papa.
Parce que je sais que vous voulez invoquer papa. Oh là 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 là, la baston, ça part en cacahuète, les copains, moi je vous le dis. Ça part clairement en cacahuète, là. Attendez, attendez. Calmez-vous, Michel, arrête. Oh, mec. Oh, ça pousse des cris, mon gars. Attends, parce que... Goodness. Attendez. Voilà. Comme ça, tout le monde va se calmer. Mec. Ils vont s'attaquer. C'est bon, c'est bon. Ils vont tous s'attaquer à lui. Les cris, c'est ouf. Mon gars. Non, c'est pas là-dedans, la salle, ça là. Attendez, on va le faire buter, là, volontairement, hein, parce que là, on part sur une catastrophe, hein. Oh, regarde. Vous entendez le son? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, ne jamais faire ce que j'ai fait. C'est des coups à crever, ça. Oh, mes oreilles, les copains, mes oreilles. Alors, attendez, je vais siffler toute la populace, là. Toi aussi, là-bas, là, tu viens. Vous êtes en train de me plomber ma vidéo, bande de salauds. Donc faites donc voir. Oh, j'ai peur. Oh, ça va vite. Ça va très très vite. Hop. Faites donc voir la bait. Oh, c'est monstrueux, mec. C'est monte. Attends, je vais essayer de faire juste sur... Ah bah ouais, mais attends, du coup, il y a Mich-Mich et Mich-Mich. Est-ce qu'il y a juste lui qui me suit là, ou pas? Ah, yeah. C'est bon. Oh, cette bestiole... Attendez, merde, merde, faut pas... Non, 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 non. Recule-toi. Faut pas que je fasse de bêtises. Voilà, je te veux juste toi. Parce que là, j'ai la selle sur l'autre, donc je veux juste te regarder toi pour commencer. Viens donc. Viens, loulou. Viens voir maman. Oh la vache. Attends, attends, voilà. Donc on va regarder là un petit peu la bait. Oh, déjà, il est monstrueux. Il est magnifique. Il est incroyable. Oh, ah, tu trouves que je suis incroyable? Il est vraiment magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh là 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 là! Il est bien fait. Hein. En tout cas, en termes de modélisation, c'est vraiment un très très beau travail hein, qui a été fourni. Hein. Il est vraiment magnifique. En plus, je sais pas si vous voyez du coup au niveau de l'intérieur de sa peau. Vous avez vu comment ça s'allume? C'est sublime. Bon, on va prendre celui qu'on peut monter. Ah, il est monstrueux. J'avais vu aussi... Oh, on a un viseur et tout, mon gars. Alors attendez, oh il y a eu plusieurs coloris du coup. Oh, il a fait plusieurs coloris, tiens, je pensais pas. Alors, on va dézoomer un petit peu pour voir ce que ça donne. Bah celui-ci du coup est blanc. Alors, hop, on va regarder. Oh mon Dieu, vous avez vu la bête? Il est magnifique. Oh là là, en blanc comme ça, il est sublime. Par contre, le tout ce qu'il a sur le visage, au cas où si vous vous demandez, c'est collé à la selle. C'est en rapport avec la selle. Donc on peut clairement voir qu'en fait le système... Mais c'est bien fait, le mec. Par contre... Oui, bon bah... Allez-y, allez-y, partez donc, partez donc, partez donc. Donc du coup, on peut clairement voir que le mec a fourni un travail de malade. Et ça fait plaisir de voir ça alors que Ark, il nous fournit toujours les mêmes selles en boucle. Lui, elle est vachement... Enfin, elle concorde quoi. Sa selle, elle est sublime. Comment elle est accrochée au pic qu'on peut avoir sur le dessus, c'est vachement réaliste. Et par contre, je sais pas à quoi ça sert ce qu'il a dans la bouche. Est-ce que c'est comme un gros morceau de... Enfin, c'est pas du métal, là. Mais quelque chose qu'il a dans la bouche volontairement, genre pour l'empêcher de croquer ou je sais pas. Je sais pas, par contre, c'est quoi. Et ça me dérange un petit peu. Je trouve pas ça super beau. Après, ce n'est que mon avis personnel. Je le trouve tellement magnifique, en fait, simplement comme ça. C'est ouf. Donc, on va le tester un petit peu. Celui-ci n'est que niveau 1. J'en invoque un niveau 1. L'autre, il est parti. L'autre, il est on fire, mon gars. Regarde. Il est là-bas, il est parti et tout, un truc de malade. Je vais partir un peu plus loin parce que je pense que Michel, il va m'emmerder. Donc déjà, la créature, on va regarder au niveau de ses mouvements, comment elle se débrouille, cette petite créature toute mignonne. On va aller par là. Et on va regarder sa façon de marcher. Oh, le saut! J'ai juste fait espace, les mecs, hein. Regardez le saut qu'elle fait. Waouh, ok. Donc là, on va marcher. Au niveau de sa démarche, elle est vraiment top. Elle est vraiment super belle. Ok, cool. On va courir. Ah, par contre, au niveau de la course, c'est mon avis personnel, ok? Au niveau de la course, j'ai l'impression qu'elle elle est en apesanteur. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, regardez. Attendez. Je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous voyez. Regardez. Enfin, faut voir Kiki où tu te mets aussi. Tu dis regardez, mais regarde où est-ce que tu te mets, Kiki.
Alors attendez, on va se mettre comme ça. Voilà, là c'est bien. Donc du coup, hop, voilà. Donc regardez quand elle court. Vous voyez, j'ai l'impression... Regardez. Pas. Pas. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle en a pesanteur en fait. Alors qu'elle est tellement lourde. En vrai, tu tombes face à une créature comme ça, ça a le pas super lourd. Ça a le pas très très lourd quoi. Donc elle va dans l'eau. Elle a la capacité d'aller dans l'eau. Il l'a modélisé pour aussi. Donc vous allez voir. Hop. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est un travail titanesque. C'est magnifique. Franchement, chapeau à toi, mec. Ce que t'as fait, c'est sublime. C'est un très très beau travail. Je reviens parce que j'ai toujours autant peur de l'eau. Hein. Ça n'a pas changé par contre. Autant Godzilla, il en a rien à foutre. Autant moi, magnifique. Elle est vraiment. On dirait qu'elle fait du. Je sais pas ce qu'elle fait. On dirait qu'elle tire un truc de gauche à droite, de gauche. Elle est magnifique. Attendez, je la regarde un petit peu sous l'eau. Oh! Cette créature est sublime. Oh là 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 là. C'est magnifique. Donc, on va sortir de l'eau. On va commencer les attaques. Et je vais vous prévenir au moment où il faudra baisser le son. Pour l'attaque l'attaque spéciale, justement. Donc, en termes d'attaque, qu'est-ce qu'on a? Clic gauche. Voilà, on a croqué tout simplement. Déjà, je trouve que le son est un peu fort. Hein. Juste celui-là. Mais celui-là n'est pas le pire. Ça, hein. du tout. On a le clic droit. Crachat nucléaire, mon gars. Donc attendez, on va refaire K, on va tester là. Oh, d'accord, il y a un système de visée et tout. Ok, alors attendez. Est-ce qu'il a pris ou pas du tout? Aussi, je suis un petit niveau 1, donc c'est des tests. Hein. L'impact que ça fait, mec. Ah ouais, mais quand même, il prend pas... Eh, je suis qu'un niveau 1. Il est combien? Attends, je vais aller voir juste si... Il était combien, le machin? Attends, Michel. Pourquoi j'avais mis ma carte? Ah, un petit niveau 6. Ah, il est niveau 3, celui-là. Ok, d'accord. Là, ça... Alors, vous savez quoi, les loulous? Je crois que la prochaine vidéo... Enfin, la prochaine vidéo, ça sera sur le tech tier en multi. Mais la prochaine, sans déconner, je vous promets, je suis on fire pour faire un Godzilla Arc versus Alien. Mais je pense sans mentir que l'alien va se faire étamer. Donc dites-moi justement sur Godzilla, j'en fais tam. J'en mets un seul versus combien d'aliens? Dites-moi dans les commentaires. J'ai trop envie de tester. Ou au pire, on fera des vagues. D'abord, je sais pas, d'abord 1, puis 10, puis 20, puis 30. On fera un truc. Ah là, j'ai trop envie de faire des versus là. Vous avez été très nombreux à me demander des versus d'ailleurs. Donc j'ai noté tout sur un petit papier. Et vous inquiétez pas, ça va arriver très prochainement. Donc ensuite, autre pouvoir de Godzilla. Bien évidemment, il en a un autre. Donc on va aller sur l'île adverse. Et je vais vous le montrer. Ah, attendez, on va jumper. Oh, le saut, mon gars. Mais attends, tu... Attends, est-ce que je peux aller... Ah bah du coup, je me suis kéblo. Excuse-moi le bronto, hein, mais... Donc, attendez. Est-ce que je peux aller, genre, d'un côté à l'autre? Je teste, hein. Oh, regardez-moi ça! Regarde, sans nager, mec! Oh là 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 là. Arc aurait dû le faire, tout simplement. Même si ce n'est pas un dino... Il n'est pas considéré comme un dinosaure qui aurait existé. Mais Godzilla Arc a sa place, quand même, mine de rien. Donc, je vais aller sur l'île adverse et je vais vous montrer la nouvelle capacité qu'il a avec le son pété. Donc, il va falloir baisser le son, les copains. En fait, Godzilla a la faculté d'endormir, comme la Manticore, en fait. Il a cette faculté, donc ça, c'est excellent. Il va pouvoir endormir l'ennemi pour qu'on puisse, admettons, le tamer. Ça, c'est cool. Par contre, le son, voilà, c'est là où le son est buggé, malheureusement. Donc là par contre je ne mens pas, je suis pas une menteuse ou quoi que ce soit, baisser le son sans déconner, le son est bugué. Moi je vais enlever le casque hein, au moment où je vais l'invoquer. Parce que là je peux pas baisser via le système ou quoi que ce soit, ça va me planter tous mes recs audio. Je vais aller chercher un dinosaure, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous plantés là, planqués pardon. Attendez hein. Ils sont tous planqués, ils font un non mec hein. Ah bah attendez, voilà, ça va être ici. Donc, on va aller endormir. Donc, baissez le son maintenant. Faut le baisser maintenant, les loulous, les copains. On le baisse tout de suite. Attention, je le fais. J'enlève le casque. Enfin non, je vais garder une partie. 3, 2, 1. Les gars, est-ce que vous voulez rigoler? Le C, j'ai beau faire C, ça marche pas. En fait, je viens d'aller voir sur Steam, le mec a enlevé le C à cause du problème audio et c'est en train d'être corrigé. J'ai pas de chance. Pourquoi? J'ai pas de chance. Et par contre, il faisait une magnifique... Alors attendez, je vais vous mettre une vidéo. Attention, baissez le son, je vous montre maintenant.
Donc comme vous avez pu voir, le son vous éclate les oreilles. C'est un truc de malade. Donc je suis dégoûtée par contre de ne pas pouvoir le faire. Et l'animation est géniale. Un autre truc dont il fallait que je vous parle justement, c'est qu'apparemment ce personnage, alors je ne suis pas une superbe, enfin j'adore Godzilla, mais après je ne connais pas son histoire ou quoi que ce soit. Et en fait le personnage là, c'est pas Godzilla proprement parler. C'est, alors comment il s'appelle, enfin je sais comment il s'appelle mais je ne sais pas le prononcer. C'est K-A-I-J-U. Donc c'est quoi, Kaiju, Kaiju, je ne sais pas comment ça se prononce. Demande dans les commentaires. Il fait des bons, c'est incroyable. Donc c'est tiré de ce monstre-là en fait. Hein. Il l'a clairement dit. Par contre, il fallait que je vous montre autre chose avec l'histoire des dégâts de feu. Attendez, j'y vais. De ce pas. En fait, le feu, ça va donner des dégâts sur le long terme. Enfin, le crachat nucléaire. Parce que si je dis le feu qu'il y a des fans, il y en a qui ne vont pas apprécier. Donc justement, donc je vais vous montrer, c'est des dégâts sur la durée. Voilà. Je m'enlève. Voilà. Maintenant, regardez. Regardez. Hein. Vous voyez la tortue? Regardez. Regardez. Elle est en train de saigner. Je sais pas si vous voyez comment elle saigne, là. Regardez, regardez comment elle saigne, celle de gauche. Alors qu'elle saigne pas comme ça du tout. Hein. Voilà, là, elle est morte. Et celle de droite, je crois qu'elle a dû finir pareil. Et... ah non, à moins que... ah, voilà. Elle est morte, ça y est. Vous voyez? Donc, c'est vraiment pété pour ça. C'est incroyable. J'imagine même pas. Il faudrait que je me pointe avec des trucs comme ça devant la boue de Mother. Avec ça, je pense pouvoir la vaincre. En tout cas, elle est juste sublime. Moi, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo sur Godzilla. Je suis dégoûtée de ne pas avoir pu vous présenter le gros grognement magnifique qui t'éclate les oreilles et qui te rend sourd, hein, d'ailleurs. Et je suis vraiment dégoûtée, mais bon, c'est un correctif, parce que c'est vrai que... bon, moi, je le savais, pour les gens qui ne le savent pas, t'es clairement sourd, hein, c'est terminé, t'as plus d'oreilles, tu peux aller voir quelqu'un. Hop, donc je vais aller retrouver mes copains. On va s'arrêter là, mes petits loups, pour cette vidéo du vendredi. En attendant, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si vous voulez des informations détaillées, là, je les fais grossièrement. J'ai pas détaillé, voilà, au point de dégâts près, le plus près et tout ça. J'ai pas fait tout ça. Donc au cas où, si vous voulez des vidéos plus détaillées sur Godzilla, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense que la prochaine vidéo, ça va vous faire plaisir. Hein. À part le tech tier, je pense que, sans déconner, je vais finir sur un bon petit combat. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram. De toute façon, tout est listé en barre d'infos, ainsi que Steam. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, passez un très bon week-end. Et du coup, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao.